Maison Prestige, c'est pour un mariage. Ah, pas ici. Il y a 5 entrées au muséum. C'est côté rue Buffon que ça se passe. Vous lisez pas les journaux, non? Non, mais il y a une coquille dans la dernière édition. Bonjour, monsieur de Maison. Au service de paléontologie, hein? Ah, bah, décidément, on entend que ça aujourd'hui. C'est un grand jour, hein? Pour un travailleur du microscope, il n'y a de grand que l'infiniment petit. Ah. À épingler avec ce papillon, celui-là. Merci. Toutes mes félicitations. Une soirée vraiment magnifique, n'est-ce pas? Remarquable. Tellement original. Merci beaucoup. Merci. Jusqu'à minuit, vous êtes tranquille. C'est après que je ressuscite. Dites-moi, et cette bête énorme là-bas, c'est quoi? Un tyrannosaure. Le plus grand carnivore de tous les temps. Les dents grandes comme des mâts. Il vous aurait croqué comme un petit fou. T'as vu Thomas? J'avais dit à Marie, elle n'aurait jamais dû l'inviter. Bolchoï doit être en deuil. Hein? C'est une vraie star de la danse que nous organisons. Je laisse ce genre de bouffonnerie très petit. Votre trottoir est éteint, la maison. Absolument que je vous parle. Vous me gênez que je ne sois pas surveillé? Mais oui. Je suis dans une situation épouvantable. Bon, calmez-vous, hein. Calmez-vous. Calmez-vous, je vous dis. Aidez-moi. Oui. Je vous en prie. Restez là et bougez pas. Ça fait bien trop longtemps que ça dure, cette fois, c'est ta dernière chance. Ça fait bien trop longtemps que ça dure, il y a des limites à impatience. Tu dis que tu veux rester avec moi, pourtant. Tu fais tout pour m'en jaloux, à quoi ça sert, ne me pousse à bout. Chaque fois qu'elle perd un autre mec, tu sentais au dinosaure, hein? Doucement. Tu lui souris, tu fais le jour. Merci. Lorsque tu veux, c'est tout. Je sais déjà les
Vladimir. Mais non. Il ne s'est pas occupé un peu de Thomas. Quoi, Thomas? Il est ivre mort. Oh. Si je te suis pas, tu ne passeras de moi. C'est la dernière fois, c'est la dernière fois. Tu fais sans pas vous prendre comme d'habitude, je connais ça. Et n'essaie pas de défendre ce que tu veux, je ne te crois pas. Tu voulais sans doute me faire croire que tu parles avec eux comme ça. Alors, exactement. Tu peux parler, tu très fort. Faudrait bien qu'au moins tu comprennes qu'il y a d'autres. Faudrait bien qu'un jour tu comprennes qu'il faut choisir entre les autres et moi. J'ai déjà dit on le sent pas, cette fois sans écho. C'est la dernière. Vous croyez déjà envolé. Je voulais vous présenter Fabien, mon fiancé. Enchanté, très heureux. C'est vous le principe journaliste. Un sorcier aussi. Ah bon. Il paraît que vous voulez échanger avec moi quelques formules magiques. Et exclusives, enfin, si vous le voulez bien. Venez me voir dans la semaine. On trouvera un moment. Et maintenant, je t'enlève. Chut, incognito. Le prince Vladimir et Lady Dinosaur, en route vers le 7e ciel. Il faut choisir entre les autres et moi. Je t'ai déjà dit 100 fois, cette fois sans métro. C'est la dernière fois, c'est la dernière fois. Si je te suis pas, tu te passeras de moi.